Bonsoir. Bonsoir. On est live. Alors. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Alors là, j'ai déjà quelqu'un. Bonsoir. Sur le groupe qui n'a pas accepté le nom. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Bonsoir Johan, Frédéric, Pierre. Et si vous êtes sur le groupe, Thierry, bonsoir. Vous devez cliquer sur le lien que je vais copier dans les commentaires. Ça, c'est mon chien qui boit de l'eau. Donc, cliquez sur ce lien que vous allez voir. Et comme ça, vous pouvez permettre à Facebook de montrer votre nom et prénom. Donc, comme ça, je peux vous appeler. Pas de souci, Ben, pas de souci, t'inquiète, on va enregistrer tout ça. Donc, pétrissage ensemble, vous voyez la deuxième caméra, je vais prendre la farine et on va lancer tout ça. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, la farine, elle est là, nous aussi. Donc, on va lancer un pétrissage au pétrin 107 d'hydratation, donc un peu comme celle dans la vidéo. Donc, je vais peser tout ce que je dois peser. Voilà. En attendant, est-ce que vous avez des questions? Non, je vais commencer à mettre la farine. Quelles questions par rapport au pétrissage? Alors là, je suis avec la Dalla Giovanna. C'est ça, la farine que je suis en train d'utiliser. C'est 500 grammes de farine. Elle est là. Tac. La levure, elle est là aussi. Alors, est-ce qu'il y a tout le monde qui est connecté? Oui. Tac. Alors. Voilà, la levure, on va 1 g de levure. Donc là, je vais mettre la levure directement. Bonsoir Patricia, pas de souci. L'avantage, c'est que avec tous ces lives, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Alors, est-ce que vous voyez bien le pétrin? Voilà, parfait. Tac, donc l'eau, je vais la poser. Faire 67 d'hydratation, un peu trop, et on va partir. Tac. Salut Patrick, donc oui, un peu, juste, je n'ai pas pesé les ingrédients avant, mais avec vous, donc comme ça, on discute aussi. Tac, voilà, donc 67, l'eau, elle est là. Ce que je vais faire normalement, c'est je sépare l'eau en deux parties, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, je vais mettre dans le biberon ici une partie de l'eau. Donc, normalement, je fais la première partie de l'eau autour de 60% d'hydratation. C'est ça l'idée, pour arriver à 60% d'hydratation. Et après, je garde l'eau et je l'ajoute au fur et à mesure après. Donc, voilà. Donc, là, on a la première partie de l'eau. Et je pense qu'on est prêt. Frédéric, on va répondre à une question avant de partir. Est-ce que ça ressemble pour un utilisateur occasionnel comme beaucoup entre nous d'investir dans le pétrin, surtout si on a déjà un robot? Très bonne question. En général, si on arrive à bien maîtriser l'utilisation du robot, et c'est un beau robot de cuisine, et on voit que la pâte sort bien, et on est content de le résultat, je dirais. Pas besoin d'investir dans un pétrin.
si on a, comme dans mon cas, dans mon cas c'est un peu différent parce que c'est une utilisation professionnelle, mais si vous n'avez pas de robot et vous êtes vraiment intéressé à faire de la pizza, de la pâte à pizza, et vous voulez acheter un robot que pour la pâte, les prix de ce pétrin arrivent, sont vraiment compétitifs par rapport à un robot de cuisine. Voilà, donc je dirais, si vous n'avez pas de robot ou un mauvais robot comme le mien, je dirais, pensez à un pétrin comme ça. Bonsoir Nicolas. Patrick, tu as le même robot. Ok, ça c'est la grilletta. Voilà, on va partir. Donc là, j'ai. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce qu'il y a trop de bruit? Dites-moi un peu. Sinon, j'ai aussi le casque. Et on va faire avec ça. Ah, ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc là, je commence. Je commence à aller avec l'eau. Tac, la première partie de l'eau. Pas tous ensemble. C'est parfait. Super. Voilà. Donc, oui, là, donc, on a la farine, la levure, vous avez vu. Je vais faire un peu de place pour après. Donc, on a lancé la farine, la levure et la, l'eau. Donc, voilà, j'ai mis de la première partie, il me reste ça encore. Donc, avec le pétrissage, vous allez, pour ne pas aller trop vite, être trop rapide, être. Éviter voilà, de rater le pétrissage avec l'insertion de l'eau. Voilà. Moi, normalement, j'utilise le thermomètre pour prendre la température du pétrissage. Comme ça, je sais toujours à quel niveau je suis. Parfait. Donc là, ça va. Parfait. Vous voyez bien. OK. Donc là, on a lancé. Ajouter un peu de l'eau, il me reste encore. Tac. On va faire absorber doucement à la farine. Voilà, bonsoir à qui vient d'arriver. Si vous avez des questions sur le pétrissage, voilà, on peut parler ensemble. Patrick, là on est sur la grilletta vitesse 3. Je commence toujours à vitesse 3. C'est voilà, je la trouve c'est idéal vraiment au début pour on n'a pas besoin d'aller trop vite, on veut faire former le réseau. Donc, j'utilise cette vitesse. Après, si vous avez un robot, ça dépend toujours, mais l'idée c'est de faire des essais et voir un peu la vitesse la plus idéale. Voilà, là enfin, on va vraiment douce. Au début, on fait bien former le réseau. Là, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de soulever ça et aller à nettoyer un peu les bords. Parce que sinon, si ça sèche, c'est toujours un peu pas idéal. Et c'est reparti. Voilà. Tac. Alors, question de Johan. Le pétrissage est utile à partir de quelle quantité? Je dirais en général, à mon avis, c'est pas vraiment question de quantité de pâte, mais plutôt la qualité de la pâte qu'on va, de la structure qu'on forme en fait. Ta question est très valide parce que si on fait de la que 300 grammes de farine, la plupart des pétrins, je te parle des pétrins professionnels, c'est trop petit comme quantité. Si on parle des robots de cuisine, 300 grammes, ça va parfait. Donc voilà, la quantité, c'est juste le minimum pour le pétrin. Donc dans mon cas, dans ce modèle, je dirais la plupart des modèles, on est toujours sur 300 grammes, 500 grammes minimum. OK? Donc voilà, là, on a fini la première partie de l'eau. Donc là, vous voyez, la partie commence à se faire bien former. Je vais prendre le sel, on va peser le sel aussi.
Tac. Alors, Christophe, combien de temps de pétrissage? Voilà, ça va être autour de 15 minutes, je pense. J'ai l'habitude que quand je parle ou je fais des formations, je ne mets pas l'eau avec les régularités, donc ça peut prendre un peu plus. Mais en gros, je dirais, avec cette type d'hydratation, cette farine, on est aux alentours de 15 minutes. Voilà. Ça, c'est en gros, l'important, c'est de toujours regarder la pâte, donc le temps. Alors là, je vais mettre mes 2% de grammes de sel, 2% de sel dans un instant. Et là, on a la température. Voilà, on est bon. Là, on est à 18. Là, on est en train de monter doucement. Là, l'eau, c'était du frigo. La farine, moi, je glisse toujours, je la mets au frigo une demi-heure avant, juste que ce soit fraîche. Ça m'aide aussi dans le pétrissage. Alors, actuellement, à quelle température est ton pâton et ton... mon pâton, tu parles de la farine? Alors là, je vais avec le sel. Tac. Et on va ajouter l'eau. Qu'est-ce qu'on prend avec pâton? Parce que l'eau, bah, je pense, elle était autour de 5 ou 4. Mon frigo, il n'est pas vraiment froid. Donc voilà, cette température. Dis-moi ce que tu entends avec pâton. Si tu entends la pâte dans le pétrin, c'était autour de 18. On est, Bertrand, on est en train d'arriver à 67. Donc là, dans le pétrin, il y a, je pense, 65 quelque chose qu'on a déjà mis. Oui, 18. Là, c'était 18. Alors là, on est à, voilà, plutôt stable. On reste à 10, avant, maintenant. Bon, j'ai pris ma... Non, c'était 18. J'ai pris la... Oui, c'était 18. Là, c'est... j'ai pris la cuve. Bien sûr, Théa, de base, c'est qui m'a posé la question, Thierry, oui. Là, j'ai 20, presque 21 dans la cuisine. Donc voilà, moi, je commence... Ce pétrin est un pétrin qui, par rapport à des autres, chauffe un peu. Voilà, donc moi, je reste toujours 67. On va arriver à 67 pour un napolitain. Donc voilà, donc pour cette température, s'il fait plus chaud, j'utilise une farine bien plus froide. Voilà, si j'ai besoin. Alors là, vous voyez la pâte. Parfait. Donc, elle va bien. Elle s'en prend de très bien. Je vais mettre un peu de... J'attends un peu pour l'eau. Donc là, ça fait... Ben, si j'ai bien compté, ça fait 6-7 minutes peut-être. Un peu moins de 10. Voilà. Vous n'avez pas... prenez pas les... qu'est-ce que je voulais dire? Le temps trop... de manière stricte. Ah, très bonne question, Daniel. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, pourquoi les pizzaiolo prenaient comme référence de quantité l'eau et non la farine comme en boulangerie? Bah alors, ça, ce n'est pas les bons pizzaioli, je dirais. En général, les bons pizzaioli prennent toutes les quantités en fonction de la farine. Il y a en partie de l'école, je pense, c'est l'école napolitaine, surtout qui vient surtout du passé dans la façon de regarder la planification, où ils utilisent les quantités en fonction de la calculée sur l'eau. Mais ce n'est pas tous les pizzaioli. Moi, où j'ai étudié et dans mes formations, c'est toujours en fonction de la farine. Parce que rappelez-vous, c'est la farine qui absorbe l'eau et pas le contraire. Alors là, on est bien, on continue. Avec le pétrissage, donc c'est parfait. On est à quelle température? 20, et là on est à 21,5. Donc on monte doucement. Donc est-ce que ça répond à ta question? Dis-moi. Dites-moi toujours si vous m'entendez bien, parce que c'est important. Donc là on a mis le sel.
On laisse tourner encore un peu. Là, je pense qu'on est autour de 10 minutes. Là, je pense que je peux y aller avec encore un peu d'eau. Là. Allez, tout doucement avec l'eau, toujours. Moi, je mets 3% de sel et c'est trop. Et c'est trop pour. Non, le sel, c'est le goût. Quel goût? Ça ne va pas avec l'hydratation. C'est toujours au niveau du goût de ta pâte. Donc, en général, le sel, moi, je fais toujours 2,5%. J'essaye de réduire un peu, d'essayer plutôt 2% parce que voilà, c'est mieux de manger avec moins de sel, tout simplement. Donc, c'est vraiment un aspect de goût et surtout de santé. Voilà. Parfait. Donc là, la pâte est bien travaillée. Là, je suis à 5, je vais monter à 6. Ça. Donc là, je suis monté à 6. Comme vitesse, c'est ça, la vitesse à laquelle je reste là, normalement. C'est beau, hein, regardez la pâte. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours un peu hypnotique, un peu intéressant. Tu es sur quelle farine? Oui, Bertrand, je l'avais dit au début, c'est la farine du moulin Dalla Giovanna. C'est la napoletana. 1,5, voilà. Donc, c'est toujours choix personnel, tout à fait. Un peu d'eau, voilà. Tout à fait, tout à fait. Relaxant, hypnotisant, voilà. C'est vrai, moi j'adore. Tu disposes de combien de vitesses sur ton pétrin? Alors, Thierry, là je suis. Les vitesses sont 10. Il y a 10 vitesses sur ce pétrin. Il arrive autour de un RPM, donc round per minute en anglais. Je pense je suis sur 220, 230, je pense, le maximum. Un gros 10 vitesses. Donc là, on est bien 22. C'est laquelle tu utilises, voilà. Ah, je le trouve très bon, cette farine. Donc là, on a presque fini avec l'eau. Tac. Niveau température, on est bon. Voilà. La pâte, elle est toute bien, elle est encore bien. Très bon état. On y va vers la fin. Là, il reste, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, très très peu d'eau. On va terminer dans 1 minute, quelques minutes. Tac. Je suis là. Hein. Après, je peux regarder depuis la caméra aussi. Ça marche. OK. Un petit plus d'eau. Tac. Voilà, je vous montre comme ça. On va finir. Alors là, je suis encore à 22. Donc voilà. Justement, elle reste bien cette température. Donc moi, je voudrais autour de 23, 24. Si. Je pense que c'est bien. Faites attention, hein, comme vous voyez sur Internet, ou sur les groupes, pour tout ça, comme ils disent, il ne faut pas dépasser 24. Ce n'est pas vrai, hein. Donc, on choisit toujours la température qu'on a besoin pour notre protocole. Évidemment, on ne va pas sortir la pâte à 30, 35 non plus, mais on ne va pas la sortir à 15 aussi. Voilà. Bon, comme je dis aussi dans les vidéos, la fourchette, c'est 22, 20, 27, 28. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, là. On est bien, ça y est, presque. Tac.
Là, ça fait plus ou moins 15 minutes qu'on est en train de écrire. On a. Est-ce que j'ai fini l'eau? Oui, j'ai fini l'eau. Oui, parfait. Donc l'eau est terminée. On est à 67. Cette farine, normalement, elle peut aller même plus loin, sans souci. Et comme vous voyez aussi la recette que j'ai fait normalement, je suis toujours sur 67 en hydratation. Ça qui marche. Alors, on va regarder la température. Là, on est bien monté à 23 quelque chose. Tac. Donc, on est encore très bien. Je vais lui donner un autre minute. Tac. Alors, Thierry, le réseau a l'air pas mal déjà. Oui, c'est. Elle a juste besoin d'un autre petit minute. Donc, on va voir un peu hein, le réseau. Il est pratiquement fini. Hein. Ça y est. Donc, Thierry, si tu veux, tu peux cliquer sur ça. Si tu veux. Pour montrer ton prénom. Voilà. Donc, comme ça. Ou tout le monde qui est depuis le groupe. Voilà. Alors, là, je pense qu'on est bon. On va juste toucher la pâte. Hein. Là, je vois, est-ce qu'elle est collante? Non, pas du tout. Donc là, vous voyez, bien élastique, pas collante. Tac, le fond, il est bien tout propre. Tac, je vais enlever ça. Alors là, c'est le moment où je fais le test du réseau. Je vais mettre un peu d'eau sous les mains. On va regarder si on donne toujours quelques minutes à la pâte de se relaxer. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je ne vais pas le faire tout de suite parce que la pâte est encore tendue du pétrissage. Donc, là, c'est bien calme. Hein? Le souci avec les pétrins, c'est qu'ils font du bruit. On va la tirer un peu. Alors, là, c'est la pâte, elle n'est pas dans la bonne direction. Donc, je vais tourner un instant comme ça. Voilà, comme ça vous allez voir. Salut Yann, ça va? Là elle était, parce que la caméra n'était pas en face, donc je vais essayer dans un instant. Tac. Donc là, pour qui vient de se connecter, Yann, on est en train de faire un 67 d'hydratation avec la spirale et on va regarder avec les mains mouillées le réseau. Alors, est-ce que je vais arriver? J'espère, oui. Voilà. C'est joli, hein? Voilà. C'est celui-là, regarde. En fait, je prends avec les doigts, je tire la pâte, Nicolas, et je vois l'état du réseau du gluten. Donc, la structure de la pâte, c'est ça qu'on a créé. Je te refais, si tu veux. On tire et on voit qu'il y a une... Je ouvre la question. Donc, Nicolas pose la question de ce test. Donc, voilà, je tire la pâte. Si le réseau est bien élastique, il a de la force et ne se déchire pas tout de suite, ben, c'est un bon signe. Ça veut dire que le réseau est bien formé. Donc, voilà, je le refais pour toi. Il faut toujours se mouiller les mains parce que pour avoir une meilleure... pour le prendre plus facilement. Donc, voilà. Vous voyez, je tire, je suis en train de tirer. Normalement, si la pâte n'est pas prête, moi je tire plus, je veux le casser hein, pour vous montrer. Je le tire fort. Si ça casse comme ça au début, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Donc là, c'est cassé évidemment parce que j'ai bien tiré pour vous montrer. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre la pâte. On va faire quelques, on va la fermer, on va faire des rabats pour former un bâton. Et après, on voit un peu ce qu'on va faire, si on arrête la live ou vous avez des questions, on va lancer. Je voulais faire peut-être un pétrissage raté, donc complètement raté du début. Et voilà, le raté, vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça va être raté. Mais oui,
Pas peu pétrir et des rabats beaucoup que beaucoup pétrir. Le pétrissage oxyde à la pâte. Alors, absolument. Donc, les rabats, ils sont jamais ils remplacent jamais le pétrissage. Ce qu'on fait au pétrissage, c'est fondamental pour la pâte. Donc, avec les rabats, on essaye de rattraper si on n'a pas fait un bon pétrissage. C'est l'exemple du pétrissage à la main, parce qu'on a une limite d'énergie qu'on peut mettre dans la pâte, qu'on peut donner à la pâte, pardon. Et donc, dans ce cas, on fait plusieurs rabats. Mais c'est mieux de. C'est pas idéal de faire un petit. Pardon, un court pétrissage et faire des rabats, parce que ça, c'est pas. Ils vont pas. Remplacer les rabats, ne remplacent pas le pétrissage. Alors, je vais essayer de faire. On va faire comme ça. Alors, regardez. Je vais mettre la caméra comme ça. Là, comme ça, vous allez voir le plan de travail. Vous avez là. Non, la lumière, pas comme ça, parce que vous allez. Je pense comme ça va. Oui, parfait. Alors, je vais prendre avec ma corde, là, ma pâte. Et comme ça. Tac, donc vous voyez la pâte bien élastique. Ça, c'est le signe qu'on a bien travaillé. Relève une question. Les rabats sont plus pour les manuels. Ça, c'est Thierry, oui. Exactement. Pas seulement pour le pétrissage manuel. Ils sont. Conseillé parce que au pétrissage manuel, on ne donne pas beaucoup d'énergie à la pâte. Mais, pour exemple, ça peut vous arriver de faire une pâte à haute hydratation où les rabats sont bien. Donc, même si on travaille quelquefois au robot et pour des raisons, on n'a pas bien pétri, on peut penser de faire des rabats. Voilà. Je vais tourner un peu. Tac. Et voilà, comme ça, vous me voyez pendant que je prends la pâte. Parler et prendre la pâte en même temps, ça marche pas. Tac. Voilà, le dernier bout, on va prendre. Tac. Je tourne la pâte. Et voilà. Juste quelques bouts qui restent. Tac. Donc la pâte, elle est là. Donc, comme je disais, regardez comment elle est bien élastique. Elle ne colle pas. Tac, donc, ça, c'est un très bon pétrissage, 67. Quand vous voyez, vous écoutez les personnes qui disent à haute hydratation, on a une pâte qui est collante, c'est parce que la pâte n'est pas bien pétrie. La pâte, même à 65, au-delà de 65, 70, 80, si c'est bien pétri, elle n'est pas collante. Un pétrissage manuel, on reste reposé un peu avant de faire les premiers rabats, non? Là, ce n'est pas le même principe, en fait, Pierre. Le principe des rabats après le pétrissage manuel, c'est de faire structurer le gluten un peu grâce à la propriété autopolytique. Et après, on fait les rabats. Ici, le but des rabats, c'est juste de former une boule. La pâte, elle n'a pas besoin de rabats comme pour le pétrissage manuel. C'est vraiment pour. On va le voir, regardez. Que peut faire ça? Former la boule. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je fais les rabats. OK? Pour former la boule. Ce n'est pas la même raison comme pour le pétrissage à la main. Pointage, combien de temps, combien de rabats partis de ce moment? Ça dépend du protocole, Bertrand, c'est-à-dire en fonction du protocole. Moi, je fais, pour celle-là, je vais faire le même, je ne sais pas quel protocole je vais faire. Je pense le 24 heures ou 48 que j'ai sur mon blog. Je la laisse, ça fait 20 degrés. La pâte est sortie, elle était à 24, plus ou moins. Donc là, bien évidemment, elle est descendue, mais elle était à 24. Donc, je la laisse quelques heures à température ambiante, après au frigo jusqu'à demain.
Et après, je ne sais pas encore si je vais faire 24 ou 48, si je vais faire l'après au frigo ou à température ambiante. Et voilà, donc vous voyez, pâte bien. L'adresse du blog, oui, avec plaisir, je vais le prendre. Tac. Comme ça, vous pouvez regarder aussi tous les articles qui sont intéressants à lire. Voilà. Si vous préférez lire plutôt que voir les vidéos, parce que les protocoles, il n'y a que la version écrite, parce que je n'ai pas eu le temps encore de faire une vidéo. Mais beaucoup des articles, c'est les mêmes contenus que les vidéos que vous avez. Donc voilà, donc boule bien lisse, pas collante, tac, 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 tac. Voilà, donc c'est ça le but des rabats, ça c'est ma pâte. Je la vais mettre dans un tupperware, dans une boîte, et on est prêt pour la laisser reposer. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un peu. Donc là, je voulais montrer aussi un peu ce qui reste dans le pétrin. Donc, bien sûr, il y a tous les petits bouts là derrière, autour de la spirale, c'est normal, mais en gros, vous voyez, le pétrin, il est bien, il est presque propre. Il n'est pas propre 100%, mais ça, c'est un indice de bon pétrissage aussi. Donc, quand vous avez un pétrin pour la boule qui reste un peu sale, voilà, c'est un indice que il faut peut-être pétrir un peu plus. Alors, tu as mis 1 g de levure. Oui, c'est 1 g de levure, c'est-à-dire 2 g par kilo. Donc, 0,2%. Merci, bah, c'est avec plaisir, Thierry. Donc, je prends la boîte, comme ça, on va la mettre. Ça, vous voyez tout le processus comme je le fais. Tac. J'arrive pas. J'ai mis un peu d'huile. Tac. C'est la boîte que j'utilise pour chaque fois que je fais 500 grammes de pâte. C'est bien, ça marche bien. Je prends ma pâte. Elle va, c'est dans la boîte, voilà, comme vous dites en français, c'est dans la boîte, tac, on la met à côté et c'est tout bon. Voilà, alors je vais me laver les mains, ça va être difficile, j'arrive. Alors, là. Ok, j'arrive, hein? Vous partez pas. Donc, si on pétrit au robot, pas besoin de faire les rabats. En gros, non. Si la pâte est bien pétrie, comme tu as vu, la pâte elle a beaucoup de force. Il faut un pas derrière. C'est quand qu'on fait les rabats. Personne peut-être vous explique, mais c'est pour donner de la force à la pâte. Donc, si la pâte elle a bien beaucoup, une belle force, une belle structure grâce au pétrin, ben, on ne fait pas des rabats. Avec le pétrissage à la main, je fais l'exemple du pétrissage à la main, on a besoin un peu plus de force et donc on fait les rabats. Et donc, pour répondre à ta question, si ton robot il fait pas un bon pétrissage, peut-être, ou tu dois t'arrêter parce que, je ne sais pas, ton robot s'est cassé, voilà. Tu fais des rabats si ta pâte est encore un peu derrière avec le pétrissage. Donc, regardez toujours la pâte. Est-ce qu'elle est élastique, bien sèche, bien pas collante, bien formée? Eh bien, pas de rabat. Vous la formez et tout ça. Sinon, vous faites des rabats. Daniel, question hors sujet. Ça va. Je vais répondre. Pourrais-tu faire une vidéo sur la cuisson et un four petit rouge? Je ne l'ai pas. Donc, ça, c'est un peu le souci. Si je l'ai, si je l'avais, si je l'aurais, voilà, si je l'aurais, avec plaisir, mais je ne l'ai pas. Donc, si je peux pas t'aider, désolé. Mais sinon, déjà, le conseil que je peux te donner, bon thermomètre, essaye. Fais des essais, essaye pas de le mettre trop à fond, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent que la pâte
elle a tendance à brûler, les bords à brûler. Donc voilà, mais je ne peux pas t'aider plus que ça. Sauf si quelqu'un m'a envoyé un Ferrari G3, et je peux faire les essais pour vous. Voilà. Tac, Christophe, ok, merci, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous voulez faire un pétrissage raté? Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être. Donc, on va essayer de faire un mauvais pétrissage. Voilà. Ou peut-être on le fait dans un autre live, surtout si les 19h, vous avez peut-être le temps d'aller manger, aller avec votre famille, comme ça vous. Voilà. Vous faites ce que vous devez faire. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions. Sinon, on va parler encore un peu plus et on va peut-être faire ce pétrissage comme ça la prochaine fois. La semaine prochaine, on va faire un live pétrissage raté. On fait comme ça. Est-ce que vous avez encore des questions? Voilà, tac, parfait, Daniel. Il faut savoir que les robots pâtissiers ne maîtrisent pas aussi bien que le pétrissage spiral. La pâte s'en tourne autour du crochet et il est très compliqué à bassiner. Oui, alors ça dépend un peu parce que ça dépend quel robot pâtissier. Alors j'étais pour exemple avec dimanche, j'étais en formation avec un petit groupe et les formations que j'ai fait ici en présentiel, chacun mène ses outils, ses robots et donc en fait ils étaient en KitchenAid. Et l'autre c'était un Kenwood, je pense. Je sais pas si Jérémy ou Edwin ils sont là. Mais bon, donc on a fait tous les pétrissages. On a regardé effectivement, c'est pas optimal. Le Kenwood c'était très bien, mais l'autre, le KitchenAid, c'était pas optimal. Mais on est arrivé à sortir quand même une belle pâte. On a fait travailler un peu plus, comme ça la pâte elle prenait un peu plus de force. Et voilà, donc oui, c'est vrai. Après, peut-être tu peux regarder des autres types de crochets comme la feuille aussi. Ça peut être intéressant pour les autres hydratations ou même pour ou des autres types de crochets. Il y a le traditionnel comme ça, ou il y a même la forme de spirale un peu. Donc voilà, essaye un peu parce que c'est vrai qu'ils sont pas optimales, mais. Après, avec la bonne technique, si tu essayes de refaire le même principe, l'eau au fur et à mesure et tout ça, il faut lui donner plus de temps. Voilà. Parce qu'il n'est pas si bien, comme tu as dit exactement, comme un pétrin spiral ou certains autres robots. Voilà. Johan, oui, voilà. Bah, alors, je pense qu'on va le faire comme prochain live. Voilà, parfait. Ça me fait plaisir. Bon, on va le faire ça, on va faire ça comme ça, parce que je pense que c'était intéressant. Donc, on a fait aujourd'hui le pétrissage et semaine prochaine, ou peut-être cette semaine, on va faire deux lives, pourquoi pas. On peut faire aussi ça. Je dois filer, bon fin live. Merci Pierre, avec plaisir. En vitesse rapide, oui. En général, la feuille, c'est pour les autres hydratations. Moi, je trouve si on est trop bas en hydratation, on a la tendance à. Attendez, je fais comme ça. Voilà. On peut avoir. Attendez, je bouge la lumière. Non, pas comme ça. J'étais en train de dire quelque chose. Oui, si c'est trop basse hydratation. On peut avoir des morceaux qui sont tiers et donc la pâte elle travaille bien. Donc la feuille, je te la conseille dès que tu commences à arriver à 70 plutôt. Mais peut-être envoie-moi une photo de ton crochet hein, si tu veux et on regarde. Sinon, comme Frédéric est en train de dire, nous dans la formation que je fais, celle individuelle et pratique, on regarde aussi ça. On fait un pétrissage ensemble. Moi, je le fais ici sur la spirale. Mais je surveille votre pétrissage au propos. Je peux vous donner des conseils en regardant la pâte. Et surtout, comprendre quel est l'état de la pâte. Donc voilà, Frédéric avait un robot Bosch. Voilà, c'était bien passé. C'était un
Normalement, Bosch est connu pour des bonnes machines. Donc ça, c'était très bien, effectivement. Voilà, la chose importante, c'est de connaître sa machine en général. Moi, je sais, je connais bien l'autre pétrin que j'ai, c'est un robot Kenwood. Je ne le conseille pas. Voilà, je l'ai fait de l'appart, j'ai monté jusqu'à 75, c'était le maximum. Mais même avec plus de pattes, il a du mal. Donc, ce n'est pas tous les robots qui sont idéaux pour le pétrissage. Pour un non professionnel, sur quel type de pétrin pizza tu nous conseilles de partir? Bah, celui-là. Celle-là, c'est la grilletta. C'est pas mal de grilletta. Aujourd'hui, quand on regarde les pétrins, on est forcément ces spirales, on a un niveau déjà, je dirais, presque professionnel. Après, pas tous les pétrins sont pareils, il y a des pétrins qui sont, on va plus avec le budget qu'augmente, et donc on a des fonctionnalités, des capacités de former la pâte. Encore mieux, mais c'est surtout au niveau de combien il chauffe notre pâte. Et donc, pour répondre en gros, pétrin comme ça, on est sur la monovitesse, 500 quelque chose, 500 euros. Je ne fais pas de commission sur eux, mais voilà. Aujourd'hui, c'est très facile sur Agri Euro, très facile à trouver, livraison parfaite. Donc, moi, si pour quelqu'un à la maison qui voilà, se veut amuser pour faire une bonne pâte, il n'y a pas une autre façon de faire avec un robot, sûrement une chose comme un pétrin comme ça. Voilà. Ciao. Voilà, donc ça c'est par rapport au pétrin. Donc si tu as des questions, Johan, n'hésite pas voilà, à les poster sur le groupe pour te m'envoyer un message. Mais c'est toujours au niveau du budget. Quel est ton budget et surtout pour quelle utilisation? Et surtout, est-ce que tu as déjà un robot? Est-ce que tu peux sortir quelque chose d'intéressant avec ton robot? Voilà, donc ça c'était le pétrissage. Donc la pâte, elle est comment c'est le pointage. Est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, on va terminer pour ce soir et on va se voir. Ah, tu as le kitchen et l'artisan. Écoute, on a fait ça, c'était dimanche, c'était le kitchen et l'artisan qu'on a utilisé. Et effectivement, moi je l'utilisais aussi parce que c'était celle que j'avais dans le local que j'ai lu. Et tu peux arriver à faire une bonne pâte. Moi, si ça marche bien, si tu arrives à comprendre, il est déjà une bonne machine. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense, voilà. C'est toute question d'apprendre comment utiliser ta machine. T'as de la coupe à choisir en fonction des quantités, ne pas prendre trop grande. Oui, alors, exact, très bonne question. Quand on parle de pétrin à spirale, il faut regarder la taille. Donc, celle-là, celle que vous avez vue, c'est, je pense, 5 litres. Et moi je suis sur 5 kilos de pâte en total, donc 3 kilos de farine et d'eau. Les KitchenAid, je pense, Johan, le tien, ça va être peut-être c'est dans le litre total, ou 1 kilo de farine, quelque chose comme ça. Donc oui, il faut regarder combien de pâtes on fait. Normalement, l'idéal, c'est 5-7 litres minimum, voilà. Pardon, 4 litres, 4-5 litres. Et après, est-ce que c'est bon pour vos utilisations? Exactement, voilà. Bah, c'est 1 kg max, sinon il décolle. Exactement, je pense, je m'imaginais. Donc voilà, ça c'est déjà une raison. Est-ce que, pour exemple, chaque fois que tu fais la pâte, tu as besoin de faire plus d'1 kg? Et 1 kg de farine, ça fait déjà 6 pizzas. 7 pizzas si on fait pas des grosses quantités, des grosses pâtons, pardon. Donc, c'est ça la question. Est-ce que tu peux arriver avec cette quantité?
Après, on peut regarder ensemble, tu sais, si tu es intéressé à faire une formation, on regarde avec ton matériel comment on peut le optimiser pour arriver à un résultat idéal. On prépare. Est-ce que tu es en train d'écrire peut-être? J'attends que tu finis. Johan, juste pour te donner un exemple, en attendant Daniel, le robot que j'étais en train de dire, c'était même à moi 500 grammes de farine. Plus, il faisait des bruits, voilà, dangereux pour la santé. Oui, Daniel, si tu peux, juste continuer à écrire la question, parce que comme ça, je peux pas, je n'ai pas à te répondre. Et voilà, donc, j'espère que ce live, c'était utile pour vous. C'est vrai que si vous n'avez pas un spiral, vous ne pouvez pas répliquer exactement, mais l'idée, c'est que vous avez vu l'ordre des ingrédients. Il y a aussi le vidéo sur YouTube où je fais toutes les étapes pareilles. Peut-on prendre une grosse quantité congelée pour l'utilisation ultérieure? Oui, la congélation, c'est un sujet toujours, c'est une chose toujours faisable. Personnellement, je ne le fais pas souvent. Je pense que je vais commencer à faire un peu plus pour éviter de faire toujours la pâte et pour les expériments que je fais. Mais sinon, absolument, tu peux faire et congeler. Merci, merci Yohann. Si oui, d'autres la quantité de levure modifie le pH. Très bonne question. En général, non, parce qu'avec la congélation, on arrête tous. On arrête tous les processus. Donc, c'est pas comme si la pâte, elle reste au frigo et continue à marcher. Donc, non, la recette ne change pas. Peut-être, je pense, non, non, je dirais. Après, la question, c'est quand dans le processus de préparation, quand tu décides de congeler les pâtons, soit tu le congèles immédiatement après le pétrissage. J'ai jamais entendu, c'est intéressant comme concept. Donc là, on bloque la pâte immédiatement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce que j'ai fait quelques fois, mais très très peu, je ne peux pas te dire, c'est congeler les pâtons. Mais là, j'ai fait il y a longtemps et je me rappelle non plus le résultat. Donc, je vais réfléchir parce que congeler après le pétrissage, je ne sais pas. Est-il important d'avoir plusieurs vitesses? Ça dépend. Ça dépend de l'hydratation de la pâte qu'on fait. L'idée, c'est que vitesse plus multi-vitesse, ça te permet de changer la vitesse en fonction de l'hydratation que tu as dans ce moment au pétrissage. Donc, si je suis au début, je commence comme vous avez vu, vitesse basse. En fait, on a fait ensemble. Et après, au fur et à mesure, j'augmente pour permettre à la farine de prendre l'eau en plus. Donc, mono-vitesse, ça veut dire que les temps peuvent s'allonger et je dois faire vraiment attention à la quantité d'eau que je introduis. Oui, je l'ai déjà fait. Tu parles de quoi, Patrick? Ok, par rapport à la congélation, en partie de la levure ne meurt-elle pas? Bah ça, c'est. Je pense que j'étais en train de lire un article, une recherche, une étude de quelque chose qui disait que c'est pas tout à fait vrai que la levure, elle meurt. Ok, congelé, Patrick, ok. Surtout si tu as. C'est pour ça que je disais à quel moment tu fais la congélation. Parce que s'il y a effectivement partie de la levure et tu le fais au début, du processus, tu as un impact majeur que si tu fais travailler la pâte avant de la mettre au congélateur. C'est tout simplement ça. Moi, il faut essayer. Malheureusement, je ne peux pas te donner une réponse précise parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà. Malheureusement, désolé. Je ne sais pas te répondre. Tac. OK. Oula, ça fait beaucoup de lumière. Ok. Moi,
mon robot spiral, c'est le modulo de rotation de vitesse. Voilà, donc tu as le même que le. Non, le de vitesse, c'est le haut de rotation, il va même plus vite. Il arrive à 300 tours par minute, je pense. Donc, on gère de la lueur fraîche, donc elle ne manque pas un principe. Bon, encore une fois, je ne connais pas 100% sur ce sujet, donc, mais ce que j'ai entendu, il y a une partie de la levure qui est endommagée. Quel est l'impact de cette partie? Je ne veux pas vous donner une réponse parce que je ne suis pas sûr. Donc, vous savez, moi, je vous donne une réponse si je suis sûr et je peux vous aider. Mais dans ce cas, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr au 100%. Donc, je ne vous donne pas une réponse. Essayez, voilà. Moi, de toute façon, j'ai congelé la levure dans le passé. Ça marchait. Donc, ma batte montée. C'est toujours difficile de regarder s'il y a un souci. Est-ce que c'est lié à la levure ou à d'autres choses de notre protocole? OK. Donc là, c'est tout. On va allumer la lumière dans la maison parce que c'est... Est-ce que vous avez encore des questions? Dites-moi, parce que sinon, on va se souhaiter une bonne soirée. Merci pour toutes les réponses. Et avec plaisir, Daniel. On va arrêter là. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, me contacter. Voilà, il y a le groupe que peut-être vous connaissez déjà, c'est l'école nouvelle de pizza, le groupe, donc, voilà, sur Facebook. Vous pouvez le trouver. Si vous êtes intéressé à apprendre plus sur la pizza, n'oubliez pas mes formations. Donc, pour les particuliers, c'est la première école pour particuliers. Donc, n'hésitez pas à aller sur annapolitandanslesalpes.fr. Sinon, merci tout le monde. On va se voir semaine prochaine, soit lundi ou mercredi, ou si j'ai le temps, peut-être une petite live pour voir la pizza qu'on a fait le pétrissage ensemble. Peut-être, je vais faire. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. La semaine est un peu. Plusieurs choses à faire. Mais si j'ai le temps, ça va être intéressant de faire la live sur la pizza qu'on a pété ensemble. OK? Bonne soirée tout le monde. Merci d'être là comme toujours. Et buona pizza. Ciao!